conseil municipal, lorsqu'on en sait sur le rapport de la SPL de Lyon-Barbieux, cette société publique locale a reçu le mandat de la métropole et de la ville pour mener des opérations d'aménagement du projet urbain à Paris. En nous rappelons tout d'abord que le groupe des Républicains apparenté est favorable à un projet urbain permettant de rénover la Barbieux, d'améliorer le fonctionnement du pôle d'échange multimodal, d'accroître la compétitivité du quartier d'affaires de la dimension européenne, mais aussi et surtout d'améliorer dans les liens le cadre de vie des 30 000 habitants du quartier. Alors, quand on examine les opérations sur lesquelles la SPL Barbieux intervient, il est difficile de rendre un avis global. Il y a du bon et il y a du moins bon. Côté positif, il y a le développement du boulevard Vieille-Merle, le réaménagement de la rue Garibaldi, la requalification enfin de la place de Francfort et bientôt une fonctionnalité améliorée pour l'entrée ouest de la gare côté place Garibaldi. Côté négatif, il y a toujours les habitants de la place de Milan qui sont en train de s'en aller. La fermeture de l'accès à la rue Servian qui engendre des reports de trafic dans les rues résidentielles du quartier. Le refus de créer une école au cœur de la Barbieux. Et demain, la construction de la tour Toulion, qui sera certainement un choc pour les Lyonnais. Les goûts et les couleurs, on sait que ça varie, mais ici c'est Lyon, c'est pas Clermont-Ferrand. Nous avons eu maintes fois l'occasion d'intervenir sur ces sujets et d'alerter, annoncer l'arrondissement, en conseil municipal et à la métropole. Non, je dis c'est pas Clermont-Ferrand, parce que la pierre de là, c'est plutôt Clermont-Ferrand que Lyon. Je sais qu'il est 18h, il faut... Bah, il suit, oui. Il faut... Ah, c'est vrai. Alors, je voudrais insister aujourd'hui, en fait, sur l'une des missions de la SPL, à savoir des actions de communication, d'information et de concertation. Dès l'origine, j'avais contesté que cette mission soit confiée à la SPL. Je l'avais fait même lorsque je siégeais au conseil d'administration de cette SPL. En confiant cette mission à la SPL, c'est en quelque sorte une externalisation, voire une privatisation de la mission d'information et de concertation. C'est une façon pour les élus en charge, qu'ils soient municipaux ou d'arrondissement, d'éviter d'avoir à se confronter aux habitants qui ne partagent pas les orientations du projet ou qui en supportent les conséquences en termes de travaux. Alors on comprend bien, Emmanuel Macron aimerait bien externaliser la concertation avec les Gilets jaunes aujourd'hui. Donc on comprend bien qu'au plan démocratique, ça pose un petit problème actuellement. Cette externalisation a deux inconvénients, un inconvénient budgétaire et un démocratique. Au plan budgétaire, on craint un doublon qui n'est pas bon pour les dépenses publiques. Les élus et les agents municipaux sont salariés et indemnisés. Mais dans le même temps, on confie les moyens à la SPL pour conduire la même mission. Je souligne que d'après votre rapport, les charges personnelles de la SPL sont passées de 1 à 1,5 million d'euros de 2015 à 2017, avec une équipe qui atteint maintenant 20 équivalents temps plein. Voilà, avec M. Collin, quand on parle de croissance de la dépense publique, c'est aussi ça. Et puis, il y a l'aspect démocratique. Il n'est pas bon que les élus se défaussent de leurs responsabilités dans la conduite des projets urbains. Certains doutent de la pertinence des mairies d'arrondissement. Je veux dire que ce n'est pas mon cas. Je pense qu'elles sont utiles pour la gestion de l'équipement de proximité, mais elles sont surtout utiles pour être la caisse de résonance des affaires locales. Et tout le monde sait bien dans cet hémicycle que s'il n'y avait pas de mairie d'arrondissement, certains sujets n'auraient jamais été posés sur la place publique. Mais si les mairies d'arrondissement ont cette vocation, encore faut-il qu'elles assument cette mission. Et c'est bien sûr aux élus d'arrondissement que d'organiser, de mener les échanges avec les habitants sur les grands projets. Aussi professionnelles que soient les équipes des sociétés publiques locales d'aménagement, elles n'ont pas à remplacer les élus. De belles plaquettes de communication, de beaux films de promotion ne doivent pas remplacer le débat démocratique. Je vous remercie. Merci.